Bon, eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Bon, les amis, j'ai quelques bonnes nouvelles à vous apporter. Comme vous le savez déjà, la pandémie, depuis un certain temps, depuis quelques semaines, la pandémie y recule. Ça veut dire que il y a moins de cas, donc moins de cas, et les hospitalisations rétrécissent. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes aux soins intensifs et aux hôpitaux. Alors les amis, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, que pensez-vous? Est-ce que le reconfinement sera bientôt terminé? Cela fait déjà un mois que nous sommes en reconfinement. Eh oui, déjà un mois, le temps passe vite. En tout cas, je suis vraiment très content que la pandémie du Covid-19, que la deuxième vague est déjà finie. Voilà, la deuxième vague est derrière nous. On a atteint le pic de la deuxième vague du coronavirus. En tout cas, les amis, je vous souhaite à tous bon courage, les amis. Nous devons continuer à appliquer les gestes barrières pour lutter la pandémie du Covid-19 et on va s'en sortir, les amis. On va essayer que la pandémie soit éradiquée et on pourra bientôt retourner à une vie normale avant le Covid. Ce serait vraiment génial. Alors, les amis, est-ce que c'est bientôt la fin du reconfinement? Que pensez-vous? Est-ce que vraiment la deuxième vague c'est fini et que maintenant ça va mieux la situation? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur cette vidéo. En tout cas, je suis vraiment très content que la deuxième vague est finie. Je suis très surpris que la deuxième vague a été plus vite que la première. Oui, la deuxième vague a été pire que la première parce qu'il y a eu plus de cas et d'hospitalisations, mais ça a été vite terminé par rapport à la première vague. Le confinement va encore durer pendant plusieurs semaines jusqu'à à peu près janvier de l'année prochaine, je sais pas, on verra bien. Est-ce que le reconfinement, les amis, est-ce que vous voulez que le reconfinement soit terminé? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, j'espère vraiment que le reconfinement soit terminé parce que là, c'est vraiment très long, hein. Malheureusement, cette pandémie du Covid-19, c'est vraiment la catastrophe, hein. Oui, je sais, c'est vraiment la catastrophe. En tout cas, les amis, nous allons continuer à appliquer les gestes barrières. Je tiens à vous rappeler les gestes barrières. Lavez-vous les mains très souvent. N'oubliez pas également de tousser et éternuer dans votre coude. Vous connaissez les gestes barrières. C'est très important. Il y a certaines personnes ne respectent pas les mesures sanitaires. C'est très important parce qu'après, imaginez, on va avoir une troisième vague. Si on aurait une troisième vague, ce serait vraiment la catastrophe, franchement. Si franchement il y aurait une troisième vague, je vais me suicider parce que là, on a marre du Covid-19, on a marre de la pandémie, c'est vraiment une catastrophe. Voilà les amis, merci à vous tous d'avoir regardé cette petite vidéo. En tout cas, nous avons passé le pic de la deuxième vague du Covid-19. En tout cas, la deuxième vague est derrière nous. Nous devons faire en sorte, les amis, on doit faire en sorte que on ne doit pas avoir une troisième vague et un troisième reconfinement. Ce serait la catastrophe pour les secteurs et l'économie. Ce serait vraiment une catastrophe. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, les amis. À bientôt, mes amis, pour des prochaines vidéos. C'était Homer qui vous dit au revoir. À bientôt, mes amis, pour des prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.